CP CE1 tenu par Madame Gara, 2 CP tenus par Madame Turbert et Mademoiselle de la Salle. Soit 13 classes. En septembre, il est probable qu'il y aura 3 CP. 2 CP et 1 CP CE1. Mais je pense que ce sera plutôt 3 CP. Avec beaucoup de petits défauts. Les trois enseignants de CP sont présents devant vous. Et avant le spectacle qui va vous être présenté, elles sont prêtes, ainsi que moi-même, à répondre à vos questions sur le fonctionnement de l'école. Mais ne nous demandez pas avec qui sera votre enfant en septembre. Les classes seront faites définitivement lors de la pré-rentrée de septembre. La rentrée des classes se fera le lundi 6 septembre à 8h30 pour toutes les classes sauf les CP. Les élèves seront avec leur enseignant cette année et l'enseignant de 1999 viendra les chercher dans les classes. Pour les CP, nous allons commencer par le mambo. Monsieur le directeur, je vous rends le micro.
Et un grand merci à M. Carpentier qui nous a fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Nous continuons la fête. Guillaume va vous réciter la cigale et la fourmi. La cigale et la fourmi de Jean de La Fontaine. La cigale lui a chanté tous les... Maintenant, elle est au père avec les enfants et vous interprétez ta petite tête. Oh oui, le TGV.
puis tata à peu près ce langage. Et bonjour monsieur du corbeau, que vous me semblez, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix, théâtre de ses bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit, « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. C'est le sauveur d'un fromage sans doute. » Sylvain, CE1, bleu et blanc. L'étoile blanche claire comme un beau batteur de polymère. Elle de la joie, ronge le regard. En toi je retrouve les beaux jours et vents, où les mottes claquent le vent. Dans un grand ciel gonflé de nuages blancs, si j'ai du beau temps, ronge le regard. Caillou, genou.
On attend. Le multiplicateur 10. La femme de la mare pleure. Elle ne reçoit de son mari que 10 sous par jour. Pour le beurre, un peu de viande et du pain blé. Dix fois 1, 10. Toujours de l'eau, jamais de vin. 10 fois 2, 20. Yeah.
On attend le silence. Quand il ne voit plus le ciel, cela s'appelle une chambre. Quand il ne voit plus les arbres, cela s'appelle un mur. Quand il crie avec ta maman et qu'elle ne répond pas, cela s'appelle la distance. Quand il ne voit plus rien, cela s'appelle la nuit. N'aie pas peur, dans le mur il y a des lumières. Cette petite matinée aura déjà baptisé un peu les...